bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour présenter un produit qui est encore très peu connu, on va dire ça. Très peu présent aussi en bourse, malgré que tu en présentes depuis quelques temps. C'est un produit donc pour les serpents. Donc là je suis en compagnie d'un mâle Aspidites Ramsayi qui était présent avec nous à la bourse de Laval. Donc bon, il m'a pas croqué celui-là. Hein. C'est la petite gutte qui m'a croqué. Donc très beau serpent si vous voulez le voir de plus près. Hein. Même si monsieur veut bien montrer sa tête. Voilà. Belle tête, un beau mâle bien sûr. Donc voilà, donc là c'est du substrat pour serpent, alors qu'il peut être utilisé en terra comme en rack. Hein. Oui. Voilà, donc ce produit c'est donc le lignocell, c'est ça? Ouais. Voilà, donc quelles sont les différences en fait entre le substrat que tu utilisais avant et le lignocell? Bah c'est plus fin et non poussiéreux, ça a une grobe. Ça sort très bien l'humidité. Ouais. Et c'est biodégradable. C'est moins fibreux aussi, parce que là ouais, on a... fibreux, ouais. Donc ça c'est ton ancien substrat en fin de compte. Ouais, c'est de l'aspen. C'est l'aspen. Voilà, on va montrer ça un peu la différence entre ouais, l'aspen et. Justement, ouais, ça fait vraiment plus fibreux. En détail tout à l'heure. Là voilà, donc là c'est. Ça c'est l'aspen, donc très fibreux, ça fait... c'est un peu des coupes de bois en fin de compte. Et ça c'est le lignocell. Donc c'est totalement différent en fait. En plus au toucher on voit largement la différence. Voilà, c'est plus fin. Voilà, c'est vraiment plus fin. Déjà c'est très moins. Ça prend un peu moins de place. On utilise forcément moins de substrat qu'avec le lignocell. Ouais. Les paquets sont plus gros sinon on peut comparer. Non, pas forcément. De cette gamme là, parce qu'il y a plusieurs gammes, là elles font 12,5 kg. L'aspen on peut l'avoir jusqu'à 14,5 kg, mais c'est plus cher. Voilà, donc là c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, puis en plus c'est plus pratique. Après, on fait une économie de quand même de 16 euros sur un sac de 12,5 kg par rapport à voilà, une grosse économie quoi. Puis en plus pour l'animal c'est bien mieux aussi, parce que si vous le donnez à manger dans son, par exemple dans son terrain ou dans son rack, et qu'il y en a certains qui utilisent les journaux ou les analyses médicales ou du sopalin. Avec l'aspen, il n'y a pas de risque d'occlusion. L'ignocell, tu as moins de risque d'occlusion qu'avec l'aspen. L'aspen, bon, comme on l'a vu. Logiquement, il y a moins de danger aussi. Il y a moins de danger qu'avec certains autres substrats. Voilà, voilà. Mais il y en a quand même un peu plus, parce que c'est très fibreux, c'est du bois. C'est plus épais. Voilà, donc. C'est surtout ça. C'est une grosse différence. Alors, c'est très peu connu, donc c'est pour ça qu'on souhaitait quand même en parler. Parce que. Moins connu, moins cher, donc quand c'est moins connu, beaucoup ne pensent pas acheter, ils disent c'est quoi, ils osent pas forcément, en bourse ouais. On n'ose pas forcément te demander ce que c'est. Hein. Non, il n'y a que les habitués qui en prennent, ou des personnes qui posent des questions, et voilà. Parce que c'est... Bah, alors moi bah, je le propose à chaque fois en bourse. Je leur dis ça plaît quand même pas mal, ceux qui essayent au moins une fois, ils moi, retournent. Moi j'utilise plus que ça de toute façon. Il retourne, puis les serpents ils apprécient, hein. Lui ouais. Il y allait déjà. Enfin, il voulait déjà aller sur l'aspect aussi, donc ça le dérange pas. Mais ouais, donc après voilà, c'est pas le but de placer un peu le produit. Le but de la vidéo c'est de montrer une comparaison entre un produit qui a fait ses preuves et qui est quand même bon aussi. Ouais, qui est un bon produit. Et un autre produit qui est sur le marché moins connu. C'est comme si on vous présentait, vous connaissez le Taurus et on vous présentait un équivalent quoi. Ouais. C'est à peu près pareil. Sauf que voilà, là c'est un peu moins cher. On utilise ça surtout dans les laboratoires déjà, c'est pas. Oui, oui, puis en plus, quand l'animal fait des excréments, ça se colle bien aussi voilà, au truc. Voilà, au niveau nettoyage, pour nettoyage tout ça, c'est sûr que. Voilà. Et on peut l'utiliser dans le compost. En plus. Bah ouais, parce que c'est du biodégradable. Ah oui, c'est biodégradable. Oui, c'est l'avantage on met ça dans le compost en fin de compte. Bon, ça, ceux qui ont déjà là, il y a pas de petit recycle. Voilà, il y a. C'est vrai que quand on change une dizaine, une vingtaine de terrariums, bah, l'ignocell, ça prend. Ah, bah, c'est clair que oui, ça prend. Faut pas. Ça prend pas mal donc. Pour avoir du terrain. Puis même pour lui, on va le mettre un peu se balader, donc on va vous montrer ça en gros plan, vous inquiétez pas. Hein. Donc le voir se balader. Il n'y a pas de différence en plus. Bah, l'animal ne sent pas forcément. Là, ils ne sent pas trop la différence. Là, il veut surtout se barrer parce que monsieur aime pas trop les caméras, Il est timide. Il est timide, puis il a vu le public hier, c'était hier la bourse de Laval, donc il a vu le public. Il y a beaucoup de monde. Quand on le voit se déplacer, bon, même s'il veut se barrer, il reste intérieur pour la vidéo, moi quand même. Donc on voit que ça le gêne pas dans ses déplacements, voilà, et même si, regarde, la queue il passe là et ça fait tout le contour, quoi, ça gêne pas plus que ça. Même... Bon, là c'est du bac de présentation. Hein. Voilà, donc après c'est du bac de présentation, donc voilà, c'est vraiment, vraiment nickel. Là c'était avec l'aspen. Après, voilà, après avec. Là c'était l'aspen, donc là on va voir avec le sel. Il n'y a pas de différence, hein, c'est pas. Bon, monsieur aime pas vraiment la vidéo non plus. Donc là on voit, pour trop de différence, l'animal creuse quand même dessus. Ouais, il creuse bien dedans, et puis voilà quoi.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Il se balade très très bah, bien. J'ai des bons gosses, j'ai mal quand j'ai mis la première fois dedans, mais ils se foufouillent sous le substrat comme s'ils s'amusaient dedans. Ah bah après, dedans, si, quoi, si, si, si les serpents fouisseurs, ils peuvent vraiment... Voilà. Ah bah monsieur, il ne veut pas être pris. Ah si. Voilà. Il y a des serpents fouisseurs, donc c'est pratique aussi pour ça. Même si la spen n'était ah pas... Ah oui, la spen, c'est... Oui, bah, la spen, ça a déjà fait ses preuves. On va pas... Ah non, c'est un bon produit aussi. Il y en a qui préfèrent encore la spen, hein, qu'ils ont testé les nucelles et puis... Oui, après, c'est les goûts de couleur. Après, voilà, il y a... La terrario évolue. Faut qu'on évolue avec. Les produits qu'on nous fournit évoluent aussi, parce qu'il y a 30 ans, on n'avait pas forcément les lampes qu'on a maintenant, on n'avait pas forcément le substrat. Même il y a 15 ans déjà. Même il y a 15 ans, oui. Donc ça évolue. Donc quand un nouveau produit est bon et arrive sur le marché, autant le présenter. Alors on n'est pas payé non plus par la marque pour le faire. Hein. Non, non. On aurait aimé hein, d'ailleurs, ouais. Mais bon, on aurait gagné un peu plus de sous pour les bourses, c'était pas mal. Ouais. Mais sinon, voilà. Donc quand il y a des bons produits, il faut savoir en parler. C'est comme quand il y a des bons éleveurs au niveau des serpents qui font des belles bêtes. Voilà, faut savoir en parler, comme là ce mâle Aspites Ramsayi qui est vraiment vraiment très beau quoi. Vraiment très beau, vraiment très cool. Enfin aujourd'hui il est cool, hier le matin il était un peu moins. Hier matin au réveil était con. Ouais au réveil était con. À midi c'est calmé, donc j'aurais pu le manipuler devant les gens à midi, mais voilà. Après j'ai préféré lui foutre la paix. Il est con à prendre après qu'on la mutation, une vraie crème. Ah oui, après oui, oui, il se laisse faire peinard, hein. Là il est là, il se balade, bon il cherche un peu à se barrer dès qu'on le libère un peu, mais bon niveau couleur, voilà quoi. C'est vraiment pas mal, puis c'est un serpent qu'on connaît en terrario, mais très peu en nom, parce que bon déjà je pense que le prix comparé à un piton régus, enfin suivant la mutation bien sûr, ouais, ceux qui démarrent avec un piton régus, ils préfèrent prendre un piton à 25 balles que prendre un Aspidites à 320 quoi. Ouais, 320, donc, encore, il y en a, on peut remonter à encore, non, t'as 230, il y en a qui sont à 300, enfin bon, c'est ouais, voilà. Pour débutants, c'est pas le but du jeu non plus de leur donner un serpent de cette valeur. Moi je déconseille un peu aux débutants quand même. Oui, parce que bon... On commence avec ça, c'est un serpent qui fait quand même voilà, plus d'un mètre 80 adulte. Bah, après, quand on évolue avec le serpent petit et qu'on évolue au fur et à mesure du temps, ouais, mais bon, ça passe. Mais quand on est débutant, oui, c'est... Il faut être conscient qu'un serpent grandit. Il faut être conscient qu'il a grandi, il faut être conscient de ses capacités, à grandir aussi avec lui. Parce que c'est un peu ça, hein. Moi quand j'ai eu mes tortues toutes petites, j'ai grandi avec eux, ce qui fait que bah, je ne les ai pas vues grandir et je me suis habitué pour les manipuler, il n'y a pas eu de soucis. Par contre, quand mon ex-copine avait une tortue déjà grande, J'avais du mal, j'avais des appréhensions, enfin pas des appréhensions, j'aimais beaucoup les tortues, mais je surveillais beaucoup t'as la mâchoire, j'avais pas l'approche plus cool. J'étais moins en confiance. Petit, tu vois grandir, tout ça. Voilà. J'étais moins en confiance et c'est ça qui a joué. Tandis que là, avec les tortues tout de suite, petits, ça a été quoi. Enfin, dès qu'elles étaient petites et qu'elles ont grandi, ça a été notamment les îlots, quoi, le gros les îlots. Donc voilà. Donc après, ça c'est un serpent qui vient d'où exactement D'Australie. Pour une fois qu'un truc australien cherche pas à nous bouffer ou à nous tuer, c'est... profitez-en, hein, c'est... ça n'a pas duré. Enfin si quand même. Oui, il y a le pogona mais, quand même. Oui, il y a le pogona, mais bon, un serpent, ils en ont des pas mal. Il y en a des... Là-bas, t'as une méduse, elle est toute petite, elle peut te buer en 20 minutes. Hein. C'est des ouf, hein, les Australiens, je sais pas. Ouais, soit c'est un mec qui a eu super la poisse qui habitait là-bas, ou le mec qui a créé la terre s'est dit, tiens, putain, je vais faire l'enfer là-bas, quoi. Là-bas, c'était une prison. Oui, c'est vrai que l'histoire d'Australie, c'était une prison pour les Anglaises. Voilà. Une prison anglaise. Bon, un peu d'histoire. Ça a bien évolué. Maintenant, ils ont eu Crocodile Dundee derrière. C'est passé quand même. Et puis, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Voilà, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Donc, c'est vrai que c'est une espèce vraiment pas mal. Donc, 1m80, tu dis adulte. Ouais, hein, minimum. Minimum, ouais. Différence entre les mâles et les femelles, non, peut-être. En termes de taille, non, pas spécialement. Parce que sur le brico, je trouve pas, moi. Mais pas au mien, non, je trouve pas. Après, c'est chaque spécimen. Après, voilà, il y a certaines spécimens, c'est un peu comme un piton royal, ça va être pareil. Il va y avoir des gros comme des petits. Voilà, parce qu'après, on sait que dans les tortues, il y a certaines espèces où le mâle est plus grand et d'autres, c'est la femelle. D'après le médecin, le mâle est plus grand et les autres, c'est femelle. Un peu plus petit. Ouais, même pas de grand chose, peut-être à 10 cm, à 20 cm de mon grand max, encore. Ça se voit quasiment pas les nus. Il est aussi costaud, quoi. Ouais, donc puis là oui une vraie crème hein, donc et ça il faut un terrarium de combien alors pour ça Ouais bah ça dépend du spécimen parce que pour un spécimen adulte on va 1m20 1m50 pour un spécimen adulte ouais donc oui ça le fait nickel quoi, c'est un tapis chauffant bien sûr, pas de lampe UV. Enfin moi qui est tapis chauffant, on peut chauffer par le dessus aussi mais... par le dessus aussi ouais mais bon il faut chauffer par le dessus mais il ça, se mettra pas en dessous, il ira la nuit pour ça craint l'humidité, oui parce que comme c'est australien c'est voilà. Alors Australie c'est pas forcément désertique avec le sable, c'est désertique rocailleux. Hein. Oui. On sait très bien que les pogonais n'évoluent pas sur du sable. Hein. Contrairement ça craint comme l'humidité. Ça craint l'humidité comme beaucoup d'animaux désertiques. Quoi. Ouais. Donc, et ça, dans le milieu naturel ça chasse quoi exactement?
Ça vous fait fâche un peu. Ah oui. Ouais, ça mange tout ce que ça traîne. En gros, c'est ça. Bon, ouais, en captivité. Ça mange du rongeur, ouais, c'est principalement du rongeur en captivité. Voilà. Après, en captivité, c'est rongeur, bien sûr, pas vivant, mais décongelé. Après, il se peut que des animaux. Ouais, décongelé, oui, j'ai ça, rongé, ça passe mieux, hein, ça va fondre. Mais après, ça peut manger du vivant, oui, mais si l'animal n'accepte pas le mort. Parce qu'il faut se dire aussi, les serpents, certains serpents n'acceptent pas le mort. Ils ont du mal. Ils restent vivants quelque temps. Bah, déjà, pour les démarrer, c'est pas évident. Non, ils ont démarré directement. Ça démarre directement. Ah bah. J'ai eu de la chance. T'as eu de la chance, après, t'as peut-être des crèmes aussi. Ils ont mangé dès le premier repas. Voilà, c'est. Puis bon, il y en a d'autres qui se cassent les dents. Après, les prochaines repos, ça se trouve, je me casserai les dents dessus. Voilà, ça dépend de l'individu. Ça dépend des individus, ça dépend des. Chaque portée n'est pas pareille. Ah oui, ça c'est clair. Voilà quoi. Ah, puis là, on voit qu'il se balade, il est pénard. Il est pénard. Donc, c'est pas un serpent. Alors, certains disent serpent agressif. Non, il y a un serpent défensif, mais il pas plus agressif. Plus défensif. Voilà. C'est plus défensif, celui-là. Voilà, ils vont pas taper pour mordre non plus. Ah non, bah après, c'est. Ils vont plus se faire un mouvement. Hier, il aimait pas le trajet. Déjà, quand on le prenne dans le rack pour l'emmener, il n'a pas aimé. Qu'on l'emmène parce qu'il a fait le trajet en voiture avec moi quand même, mais bon, la boîte polystyrène est fermée et même quand on est sorti. Même pas, il écoute même pas la musique, il s'en fout quoi. J'ai beau taper la discute. Mais bon, non, donc voilà, donc c'est pas forcément pour débutants. Après, faut un peu d'expérience. Un peu d'espace. On peut débuter, mais être bien calé sur l'espèce. Voilà. Parce qu'un serpent, il suffit pas de mettre un tapis chauffant, de mettre dans un terrarium et dire ouais, c'est bon, ça roule, ça a bouffé. Voilà. Non, il faut vérifier les paramètres d'hygrométrie, le substrat qu'on va lui mettre, le décor aussi, parce qu'il faut quand même un peu de décor. Hein. Oui. Après, quand on met en rack, le décor, c'est. On en bon, voilà, il est en rack parce que c'est du juvénile. Il est rack parce que c'est du juvénile destiné à la vente. C'est pour ça qu'il est en rack, mais sinon, sa mère est derrière, je crois. Non, ouais, mais elle est avec le mâle. Elle est avec le mâle. Bon, on va les laisser tranquilles, hein, ils vont faire des petits. Hein. On espère. Bah oui, ça serait pas. Pour l'instant, le mâle n'est pas trop motivé. Un mâle pas motivé, c'est rare. Hein. C'est rare. On va y mettre une vidéo. Puis... Ouais, on va y mettre un porno reptilien. Voilà. On va demander à Jack Levener qui fait beaucoup de repros s'il a pas son stock. S'il fait des vidéos, on sait jamais. On sait jamais. Ah, il en a fait une avec M&M Reptile il y a quelques temps, je crois. Et il a fait une vidéo porno. Ah, porno reptilien, je sais pas. On lui demandera la prochaine fois. Voilà, on aurait dû lui demander hier. Bon, c'est vrai que l'idée ne nous est pas venue hier non plus. Mais... Bon, ils vont on va arrêter parce qu'ils vont voilà. Pas de feu. Voilà. Donc, un beau serpent, après une différence de substrat qui est. Alors, c'est chacun fait son choix là-dessus. On voulait quand même présenter une marque, enfin, pas la marque, mais plutôt le produit en lui-même qui est très peu répandu. Donc voilà, ça change un peu. Qui commence à te connaître un peu dans certains endroits. Dans certains endroits, voilà. Après, quand toi tu passes en bourse, il est présent, mais. Je préfère le vendre en bourse parce que c'est vrai que c'est, bah, les frais de port, comme c'est. Les frais de port, comme c'est des gros sacs. C'est des gros sacs, ça commence à. À savoir que les frais de port, il y en a qui disent ouais, c'est super cher et tout. Alors déjà, oui, c'est des tarifs professionnels que tu as sur les frais de port, toi. Oui, mais c'est quand même. Voilà, ça reste cher. Ça mais reste cher. Tu dis que c'est des tarifs particuliers parce que t'es auto-entrepreneur, t'es pas une SARL. Je fais pas de ma boutique, je suis juste pour le plaisir. Voilà. Donc les frais de transport, pas vraiment cher. Mais même là, en les ayant moins chers, ça reste cher parce que déjà le paquet, il reste lourd parce que c'est il a 500 grammes. Il a 12,5 kg exactement. Donc voilà, c'est le poids du paquet qui fait que. Le volume, parce qu'ils calculent aussi au volume, parce que moi, de travailler en centre de tri, je vois à peu près comme ils font. Donc c'est soit la taille qui fait les plus 30, cher, soit c'est le poids. C'est les packs 30, ou ça, après, au-dessus des packs 30, je crois que c'est au bout de 30 kg, ils comptent une palette de 150 kg par exemple. Voilà, donc oui, ils ont des grilles tarifaires par poids, ils ne calculent pas au gramme près à la tête du client. Non, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus simple de le prendre en bourse, ou même vous pouvez le réserver. À l'avance, ouais, hein. Et toi tu l'amènes en bourse, tu fais tiens, sa clé est réservée, je le mets de côté, dès que la personne arrive, ouais, paf. Bon, bien sûr, faut pas le réserver et ne pas passer, hein, parce que sinon. Ah, quand c'est comme ça, je demande une. Quand c'est comme ça, vaut mieux passer chercher. Compte. Voilà, on a un voilà, compte pour ça. Vaut mieux venir chercher sa réservation le matin. Moins, bah, non, c'est ça qui sera réservé, parce que j'ai passé en fin d'après-midi. Moi j'ai vu en bourse, il y a certaines choses qui se sont produites, c'est notamment c'était à Béthune il y a quelques années, les gens avaient réservé leur animal, ils avaient dit qu'ils passaient. En après-midi, les gens, l'exposant, il n'avait pas demandé la compte, il l'a revendu directement. Hein. Il a des propositions, il l'a vendu. Hein. Ah bah c'est vraiment, s'il ne demande pas la compte. Oui, mais il ne demandait pas la compte, l'éleveur. Bah moi, mais c'est moyen quand tu demandes à la compte parce que comme il y a eu beaucoup de désistements, comme maintenant je demande à la compte. Demande à la compte comme si je peux éviter d'emmener une bête pour rien. Voilà, ça évite un transport. Ça évite un transport, ça évite un stress pour l'animal. Voilà, c'est surtout ça que je ne pas souvent mes bêtes.
J'expose en gros son. On essaie de prendre le moins de risques possible. Voilà. Surtout que pour une bête aussi magnifique que ça, voilà, il y a pas, faut éviter de prendre des risques. Parce que l'animal est transporté, il peut attraper un coup de froid sur le retour. Hein. Ah oui, c'est une sirène mal fermée. Ouais, mais en allant, si tu sais que la bête va être vendue, bon, si tu le vois tout de suite qu'il a pris un coup dans le pif, tu le verras tout de suite. Ça se voit déjà autant, déjà, tu sais qu'il faut faire gaffe. Déjà, toujours bien transporté, donc les animaux pour transporter, on va le rappeler aussi. Boîte polystyrène, chaufferette. Ou une bouteille d'eau chaude. Ou une bouteille d'eau chaude également, pas en contact avec l'animal. Ça, faut quand même le préciser. Alors, l'idéal, c'est quand vous êtes boîte polystyrène, vous mettez la chaufferette au-dessus. Ouais, tout simplement. La chaufferette, vous la scotchez au-dessus. Scotchez au couvercle, c'est plié. Voilà. Parce que la bouteille d'eau chaude, c'est plus difficile. On voit beaucoup de personnes qui viennent en bourse, qui achètent des animaux, mais qui partent. Alors, des fois, il y en a qui partent avec des boîtes fermées. Donc, si c'est pour aller dans la voiture qui est fermée, ils ouvrent pas les fenêtres à fond, même s'il fait beau, ça passe. Parce que même s'il fait beau et chaud, un courant d'air, ça arrive. Ah oui, un courant d'air. Un coup de chaud arrive aussi. Donc, si vous faites par exemple 3 heures de route avec un animal que vous venez d'acheter en bourse, vous vous arrêtez un peu, 10-15 minutes, vous mettez une coupelle d'eau, et voilà, même un bouchon de lait avec de l'eau dedans, ça ira très bien. Hein. Ah oui. Ça ira très bien. Après, voilà, nous, quand on vend un animal. On humidifie un peu le substrat pour que ça lui fasse un petit de... Oui, bah oui, mais c'est pitch, pitch. Oui, à la limite, oui, on peut augmenter un peu l'hydro et c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas. Mais le vendeur, lui, il fournit une boîte où l'animal peut être transporté, mais il fournit pas forcément un sac. Un sac pour un serpent, voilà, moi quand je pense tortue, c'est plus une boîte, un gécolopard, c'est les boîtes bras plastes. Mais il faut pas non plus que se dire, voilà, c'est le vendeur qui doit normalement fournir la boîte polystyrène, la chaufferette. Dans ce cas-là, vous voulez qu'on fournisse aussi le transport en payant la voiture. Il faut que c'est vous qui voulez la bête, nous on la propose, nous on transporte nos bêtes comme ça et l'idéal c'est de les transporter aussi. Parce que combien de personnes achètent en bourse et leur animal tient pas longtemps quoi. Et puis ils plaquent son boîte polystyrène. Voilà, donc moi j'ai une boîte polystyrène en trop, c'est un plafond aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique quand t'es en bourse, t'es certain, ouais, j'ai acheté une bête, il fait froid, j'ai pas de boîte polystyrène, et là, paf, instant de cola. Comme la dernière fois où j'ai fait une expédition. Expédition en urgence, c'est vrai que ça a été très pratique. Mm-hmm. Surtout que oui, c'était vraiment de l'urgence. Là, on pouvait pas faire plus d'urgence. Hein. Ouais. En moins d'une semaine, livraison comprise, Royal. En 3 jours. Ouais, en 3 jours, ouais. 3 jours, 4 jours, parce que c'était mardi. Que le colis parte plus tard, voilà. Mercredi pour que ça voilà, donc c'était du rapide. Donc c'est pour ça, des fois, il y en a qui veulent commander, limite, c'est à recevoir aussi le lendemain leur colis, alors c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait que ce soit du express, et express, c'est 24 heures francs. On est limité par rapport au transporteur. Voilà. Mais après, pour les animaux aussi, il y en a qui font pas d'envoi, c'est normal. France Express, étant en temps de monopole, ils prennent très cher. Moi, je vois Nelly qui me disait, c'est le prix du transport, c'est quasiment les trois quarts du prix de l'animal. Donc, tout dépend de la région. Ça double le prix de l'animal. Donc, tout dépend du département. Des fois, ils freinent plus cher. Quand c'est un retour, ça va pas me voilà. Demander, mais après, si ça fond. Après, il y en a qui disent, on n'achète pas en bourse, les animaux, ils sont transportés, ils sont stressés. Ouais, mais quand vous achetez en animalerie, ils ont fait quoi les animaux? C'est pareil. Animalerie spécialisée, c'est pareil. Ils ont fait beaucoup plus de routes. Ils ont fait plus de routes, voilà. Après, nous, quand vous voyez un éleveur là, il ne m'aurait pas confié dans les mains si l'animal, il aurait pu me croquer. Bon, quoi que c'est, ça va peut-être faire rire. T'as été baptisé? Oh, bah, j'ai été baptisé avec la gutte de la Salière. Ouais, c'est une gutte. Oui, heureusement. À 3-0 quand même, on s'y parle. Donc, un éleveur connaît son animal. C'est pas comme si aussi, je vois certains, ils achètent un animal, un éleveur en bourse, et dès qu'il y a un problème, groupe Facebook, ouais, mon animal il va pas bien, demandez à l'éleveur. L'éleveur va vous dire pourquoi il va pas bien. Il sait comment il assurait son transport, il sait comment l'animal était chez lui, il connaît son caractère. Parce que des fois on voit beaucoup, ouais, mon animal mange pas au bout d'une semaine. Ouais, mais il faut dire qu'il a le transport dans la gueule, il doit s'adapter. Moi, il avait un lien de confiance avec l'éleveur. La personne m'avait acheté un petit gécolopard et. À manger, mais sans plus. Mais tant que là, c'était au bout de 15 jours, et je l'ai revu un mois après sur notre bourse. Elle m'a expliqué tous ses paramètres, et je lui ai dit, passez dans un pack un peu plus petit. Ouais, je l'ai revu après, quelques temps après, et elle m'a dit, nickel. Comme là, pour le gécolopard, on m'a demandé des conseils hier. Dans un terrain d'un mètre, pour moi c'est un peu grand. Après, je ne suis pas l'éleveur non plus, je connais pas l'animal. Ouais, c'est un peu grand. J'ai quand même dit mon ressenti, mais j'ai aussi renvoyé vers l'éleveur parce que c'est important. L'éleveur, c'est l'animal qui l'a vendu, en plus vendu lors de la bourse de Béville. Donc la bourse de Béville, c'était il y a à peine un mois. Donc voilà, après, il y a toujours moyen. Donc j'ai donné mon conseil qui va être bien suivi parce que bon, on a acheté le matériel directement derrière.
Mais après, j'espère, ah, mais que les, j'espère avoir vu juste. Il y a 10 spécimens qui préfèrent. Qui préfèrent leur terre plus petit. Avoir plus petit. Après, pour du gecko léopard, on passe plus sur le minimum 45. Mmh. Là, il y avait un terrain d'un mètre. Oui, c'est un peu bon. Voilà, c'est un, même si nourri à la pince, il y a le stress qui est là. J'ai mis pourtant une fois d'un. Bah, il y en a qui vont. 4 femelles dans un même terrarium. Oui, des fois tu peux avoir 2 femelles qui s'entendent pas. Non, non, mais ils ont stressé parce que c'était trop grand déjà pour eux. Ouais, puis bah moi j'avais mis. Pourtant il y avait pas de cachette. Moi j'avais mis 2 femelles ensemble, y'a pas de problème. Je mets la 3ème et cartouche les deux autres. Voilà, donc, après ça dépend, il faut voir un peu l'individu et il faut beaucoup d'observations. Beaucoup en terrarium disent ouais, c'est bon, alors moi je vais prendre cet animal là, je vais faire le repos. Et oublier de faire la quarantaine. La quarantaine est obligatoire, oui. Mais je vais le mettre tout de suite et les gens. Voilà. Non, mais en plus de la quarantaine, c'est surtout. Moi je prends ça pour faire de la repro d'un tel, un tel. Et puis, il peut y avoir des acariens sur les serpents principalement. Bah oui. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à voir. Et voilà, ça rejoint un peu ma vidéo sur l'adoption que je disais, que j'avais fait la dernière fois. Voilà, il faut tout réfléchir, le transport, où mettre l'animal, les box, donner des bonnes conditions. Pas trop cher pour une. Bah, surtout la quarantaine. Voilà, j'entends des gens, bah, on peut le mettre directement avec le nôtre. Le leveur m'a dit que je pouvais le mettre directement avec le mien. Il dit non, faut faire la quarantaine, parce que vous achetez une bête à 1000 euros. Et la quarantaine, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 2 semaines, c'est 1 mois. Et encore, la quarantaine, c'est 40 jours. Après, ouais. Si on fait 30 jours, les maladies qu'ils devraient avoir vont se déclarer. On aura le temps de les voir, on aura le temps de, s'il faut les traiter, on les traitera. Déjà, voilà, au bout de 15 jours, déjà, on va pouvoir voir. On voit beaucoup plus. S'il y a des acariens, déjà. Voilà. On voit beaucoup plus. Même avant. Déjà, on va pouvoir traiter. Puis ça vous permet en même temps, la quarantaine, de voir si l'animal fait bien ses selles et en même temps de voir son comportement. Avoir évoluer. Un petit suivi. Voilà. Et puis même, si vous voulez qu'il y ait un lien de confiance avec l'animal, vous le manipulez un petit peu. Moi, je laisse. Là, il bougeait quand même pas mal. Laissez calmer. Je laisse 15 jours tranquille. Oui, après ça dépend du serpent. Enfin, moi, c'est vrai qu'en serpent, je me connais pas beaucoup. À part s'il n'a pas fait beaucoup de route, une semaine après, mais si c'est un serpent qui a fait beaucoup de route. Voilà, il faut laisser se calmer. 15 jours, je ne touche pas. Je propose au repas 15 jours. Voilà, puis une semaine, 15 jours. Ça leur rythme. Tout dépend de la route qu'il a fait. Voilà, moi, j'ai que le porc, je sais qu'il y en a certains, ils ne mangent pas le soir même. Moi, les miennes, c'est des goulus qui mangent le soir même. Donc ça dépend. Donc voilà, donc là c'était pour la petite présentation, donc un peu des différents substrats, puis de l'Aspidites ramsayi, hein, bien sûr. On va le voir plus près, un petit pépère, bien sûr il va se sauver. Donc voilà, donc très très beau serpent, hein, quand même. Il va encore évoluer. Il va encore évoluer, il va grandir. Ses couleurs, parce que là c'est un subadulte de 2015, c'est ça. Non, pas subadulte encore. Enfin, il a encore pas de lui. Mais c'est il est de 2015, quoi. Voilà. Alors que c'est. Là, il passe au aura. C'est adulte en 3 ans, c'est ça. Ouais, adulte, ouais, 3 ans. Environ, voilà. Donc, vous savez pas comment il est nourri, quoi. Voilà, et puis les femelles reproductibles en 3 ans aussi. Je laisse rentrer tranquillement. Après, voilà, faut prendre la repro. Faut ça prendre le temps et puis voilà. Donc très beau serpent et puis les substrats, faites le bon choix, choisissez celui qui vous plaît le plus, celui qui vous donne le meilleur résultat. Certaines personnes peuvent avoir du bon résultat par exemple avec du glycel et d'autres peuvent avoir de très bons résultats avec la semaine et ne pas vouloir en changer. Donc voilà, c'est chacun fait son choix. Nous on présente un nouveau truc qui est vraiment pas mal, qui est d'ailleurs testé. On peut le voir sur le terrarium derrière. C'est testé, donc voilà, donc c'est pas non plus un truc pour présenter. Tout le produit que je mets en vente sur mon site, c'est les 3/4 que je teste. Bon, voilà, il y a certains trucs que je ne vais pas tester parce que. Et encore, quand j'ai pas toi qui teste, c'est moi qui teste. Alors, notamment les produits tortues, quand il y en a, c'est moi qui teste. Produits tortues, respachi et tout ça. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!